fait, on a joué sur le site en ligne essentiel.be et on a dû en fait décrire le parfum idéal qui, selon nous, en fait. On a passé une journée ici à Lannes, dans un jardin magnifique. On a pu faire un test de personnalité. Grâce à ce test, on découvrait quel parfum était plus adéquat à notre personnalité. Voilà, on a pu aussi poser des questions sur la manière de se parfumer, les effets du parfum, si on pouvait associer parfum et soleil, des choses comme ça. On a été accueillis par deux agréables personnes de chez Kenzo, qui nous ont directement offert ces jolis coquelicots parfumés et puis nous ont expliqué qu'on allait pouvoir trouver le parfum qui correspondait à notre personnalité. Alors, moi, c'est Kenzo Amour, donc toute la gamme Kenzo Amour. Et on est toutes les deux sur le même parfum. Radieux. Lumineux, sensuel. Ouais. Exactement voilà. Ce qui lui correspond. Ouais. À toi aussi. Ah ben voilà, ça tombe bien. Moi, c'est l'eau par Kenzo. Et j'ai choisi tout ce qui était à voir avec la couleur bleue, alors ça correspond. Et vous? Moi, j'avais choisi le noir et je suis tombée sur le noir qui correspond au Kenzo Tag. Oui, j'ai appris quelque chose de nouveau, de ne pas écraser les molécules quand on essaye un parfum. ne pas frotter les poignets. Bon, ça, je ne le savais pas. Maintenant, je le saurai, je ne l'oublierai plus. J'ai fait une mini-formation donc, pour leur dire comment se parfumer, des petites astuces aussi, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver. Aussi un petit test donc, pour voir quel sourire Kenzo elles avaient, pour pouvoir... Quel parfum est adapté pour elles par rapport à leur personnalité, tout ça, avec quelques petites questions. Comment le choisir? Donc déjà, chaque personne a une acidité de la peau différente. Donc tout d'abord, il faut essayer sur la peau. Sur chaque peau, ça va tourner différemment. Aussi, on peut regarder peut-être par rapport aux saisons. L'été, toujours utiliser peut-être un parfum un peu plus léger, plus frais. Ce qui est bien, donc pas trop près de la peau. Ce qui est bien, c'est vraiment faire comme si c'était un voile qui passait sur vous, quelque chose de très léger, très fin, pour que le parfum reste aussi subtil, qu'il n'est pas trop, qu'il soit pas incommodant pour les gens non plus, donc qu'il soit vraiment mis en légèreté sur le corps. Petites astuces aussi pour se parfumer, ce qui est bien, c'est de le mettre sur la nuque, derrière la nuque, les creux des bras. Aussi, si par exemple on met une jupe, on peut aussi aller sur les genoux, sur les creux des genoux. Ça aussi, ça, parce que vraiment le parfum va monter, laisser un beau sillage derrière elle. En été, il ne faut pas vraiment se parfumer sur la peau, ce n'est pas très bon. Donc avec le soleil, tout ça, il ne faut pas vraiment mettre le parfum sur la peau. Ce qui est bien, c'est de parfumer son sac ou son sac de plage, son petit foulard ou ses vêtements.